Salut les potos, ici Porto95 Gaming. Là, je vais vous montrer comment avoir les codes de triche en ligne. Déjà, comme prérequis en mode histoire, il vous faut la mission Turbulence impérativement. Parce que si tu es entre 36 à 38%, il vous faut une activité récente d'un poteau ou à vous, genre comme quand vous achetez un véhicule, et une activité, un mini-jeu. Moi, j'ai choisi le golf. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo. Donc, j'en profite pour vous faire celle-ci. Ces trois derniers jours, j'étais à fond dans le glitch de tenue, les poteaux. Vous pouvez avoir des tenues super modées. Donc, je vous conseille d'aller voir la chaîne des poteaux. Les tenues, c'est grâce au mode réalisateur que vous pouvez les faire. Mais c'est des tenues what the fuck, quoi. C'est des tenues que vous pourrez pas faire vous-même. Même avec le glitch des appartements, pour tous ceux qui connaissent, on pouvait avoir des tenues modées. Mais des comme celle-là, jamais. Là, vous avez des tenues brun visibles avec des écritures dessus, limite 3D quoi. Vous pouvez avoir aussi une plaque de police à la ceinture et plaque autour du cou. IAA. Elle est très recherchée celle-là apparemment. Voilà, une fois dans mode histoire, je vais charger la sauvegarde Turbulence. Voilà. J'essaie de vous mettre des vidéos qui soient différentes quoi. Là mes dernières vidéos c'était des glitches de dupli et comme je vois qu'il y a d'autres youtubeurs qui en mettent, je trouve pas la nécessité de vous remettre des glitches de dupli quoi. Il y a ce qu'il faut pour faire de l'argent avec ces glitches là. Vous avez aussi le glitch des appartements aussi avec le mode réalisateur. Ça, Jojo Gaming nous a fait une super vidéo sur ça. De toute façon, toutes les chaînes de la team, ils sont dans ma description. Donc une fois ici, là on va taper le code de triche pour vous faire arrêter. Donc R1, R1, O1, R2, flèche de gauche, flèche de droite, flèche de gauche, flèche de droite, flèche de gauche, flèche de droite. Donc là, on va se faire arrêter. Dès que le personnage a les mains en l'air, on va faire start. Start. Vous allez en ligne. Éditeur. Voilà, dès que vous voyez qu'il est en l'air, vous allez couper votre call. Paramètres. Réseau. Et vous coupez la connexion. Vous restez 5 à 6 secondes dessus. Deux fois PS pour revenir. Vous avez un écran noir, message d'erreur. Mais là, vous ne calculez pas celui-là. Vous faites deux fois PS pour retourner au réseau. Vous cochez, vous attendez pareil, 5 et 8 secondes. On revient au jeu. Vous avez un autre message d'alerte. Celui-là, on va le valider. Vous allez avoir un petit message en bas à droite, déconnexion de la session. Dès qu'il disparaît, vous faites deux fois PS pour revenir au réseau. Ok. Maintenant, vous décochez. Voilà, on attend 3-4 secondes.
Là, vous allez revenir au jeu, ce qui fait que vous allez voir un écran noir. Dès que vous le voyez, vous revenez ici, là, sur cet écran bleu. Voilà, maintenant, vous cochez. Là, on va chercher l'activité récente. La première, vol de véhicule. Ou une prime. Il est fort celui-là, il a encaissé une prime de 0$. Et on lance. Voilà, là c'est normal, ça veut dire que ça se passe bien. C'est ce message-là qu'il faut que vous ayez. Si vous avez accès GTA Online en orange et que vous n'avez pas ce message-là, vaut mieux fermer l'application et recommencer. Donc là, réessayez. Et là, pendant ce là, vous allez avoir un petit chargement d'environ 2 minutes. Là, on va déjà préparer l'activité du mini-jeu. N'hésitez pas à me poser aussi toutes les questions et me demander qu'aimeriez-vous voir comme tuto, comme glitch, ce que vous voulez quoi. Vous allez voir, me laisser ça dans les commentaires des vidéos. Après, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé de faire plus de montage. Le problème, c'est que ça demande du temps. Moi, je sais qu'il y a certains youtubeurs, c'est facile de faire des montages quand vous n'avez pas cherché vous-même les glitches, quand vous allez les prendre sur la chaîne des autres, c'est facile. Moi honnêtement, j'ai pas trop le temps de faire des montages. Quand je peux, j'essaie d'en faire. Mais sinon, la plupart du temps, je passe mon temps à chercher, quoi. Et moi, ma récompense, c'est quand je vois un abonné de plus, je suis content, ça me motive à vous faire d'autres vidéos, quoi. Donc là, petit chargement orange, accès GTA Online, ce qui est normal. Donc là, on va se préparer bientôt. Dès qu'on voit qu'on va commencer à accéder à la session du jeu, quoi. Là maintenant, vous voyez. Là, vous lancez 2 fois PS et vous commencez à spammer croix. Vous spammez croix. En fait, c'est pour contourner anciennement l'after patch de Rockstar. C'est le patch du SP2MP pour ceux qui connaissent. Et on a pu apercevoir Franklin. En fait, si on fait pas cette manip là, Franklin, ça, en fait, on est redirigé vers le mode histoire directement. C'est ce
qui nous permettait de faire les glitches des appartements à l'époque. En fait, on a porté le mode histoire en ligne, quoi. Qui est patché maintenant. Peut-être pas pour longtemps. Car la team, si vous postez pas beaucoup de vidéos, ou si vous les voyez pas mettre beaucoup de vidéos, bah, c'est que ils recherchent, quoi. Voilà, vous pouvez apercevoir le genre de tenue qu'on peut faire avec le mode réalisateur, vous voyez, les autocollants. Il y en a plein des autres comme ça, style. La 14, elle marche pas parce qu'elle est invisible. 13, vous voyez. Voilà, des super tenues, quoi. Mais il faut être patient avec ce glitch, il faut être têtu, quoi. Ok les poteaux. Donc là, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, tout d'abord, je vais me suicider pour me débugger. Vous allez voir, l'écran, quand vous suicidez, c'est pas le même que d'habitude. Là, ce qu'il faut faire, faites start en ligne, trouver une nouvelle session. Et pendant que vous allez chercher une nouvelle session, le chargement blanc, vous tapez le code de triche. Donc moi la courbe pour courir. Triangle, flèche de droite, flèche de droite, flèche de droite, L2, L1, croix. Je teste sur le chargement blanc. Fois ça marche pas du premier coup les poteaux, c'est pour ça que des fois il faut être patient avec les glitches. Donc là j'essaye d'activer le fast run pour courir plus vite. Et on tape un seul code de triche par session quand vous changez de session. Pas deux, sinon ça l'annule. Vous voyez, on va aller dehors. Donc là, ça marche à merveille. Maintenant, ce que je vais essayer de voir, c'est s'il y a moyen d'ajouter un code de triche à celui-là. On va voir, on va essayer. Donc là, ce que je vais faire en ligne pour une nouvelle session. Et on va taper le super saut pour voir.
Donc là, j'ai toujours le pastrène. Mais j'ai pas le super saut. Donc, si je me suicide, logiquement, le pastrène, je le perds. Ce que je vais faire en ligne, trouver une récession et je vais voir si avec un autre code de triche cela passe. Après, je pense que c'est possible de fusionner à chaque fois que je change des sessions, c'est possible de fusionner tous les cheat codes. Mais je pense qu'après, il doit y avoir sûrement un timing au niveau des chargements. Ça, c'est à vous de voir. Le tactile est bien veillé. On est en position. Je vais essayer de taper le code de triche. Je vais essayer de taper pendant le chargement orange pour voir ce que ça fait. En ligne. Une nouvelle session. Donc dans le chargement orange, code de triche ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais me suicider. Allez. Trouver une nouvelle session. Je vais essayer de taper le code de triche pour un chargement blanc. Ah, je me suis trompé.
N'hésitez pas à changer de session. Des fois, ça peut être à cause des sessions. Allez, trouvez la session. Vous pouvez aussi activer le God Mode, mais le God Mode avec cette manip, c'est comme le mode histoire, il dure que 5 minutes. Chargement semble là, il a l'air d'être long là. J'espère pas être déconnecté. Je vais essayer de rejoindre la session de quelqu'un. En tout cas, le glitch est fonctionné les poteaux. Donc, vous pouvez le réaliser. Moi, le chargement est trop long. Je vais essayer de couper la connexion. Enfin, essayer de couper l'application et essayer de revenir. Hop. Donc là, je suspends l'application. Et je reviens. Ça va permettre de voir si je suis toujours buggé ou pas.
Là, juste savoir, de toute façon, je le verrai en me suicidant, je verrai si je suis bugué ou pas. Voilà, je suis toujours bugué, donc c'est bon. Donc là, comme tout à l'heure, en ligne, trouver une nouvelle session. Et je vais taper le code de triche pour courir plus vite pour le chargement blanc, comme tout à l'heure. Alors, fast run ou pas fast run? Vous voyez, code de triche activé, course rapide en bas à gauche. Ah, les poteaux, c'est ça que c'est bon. Allez, là, en ligne, j'essaie de vous avoir le super saut là. Et après, je vais arrêter là parce qu'il est quand même tard. Attendez, tac, 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 tac. Si mes codes de triche sont peut-être buggés. En fait, j'ai écrit mes codes de triche sur un bout de papier. Là, vous voyez, j'ai pas de message comme tout à l'heure. Après, comme je vous ai dit, c'est à vous de bien placer vos codes de triche. Ça se trouve, vous avez quoi? Peut-être 5-6 secondes pour le placer dans le chargement blanc. Vous pouvez tenter aussi dans le chargement orange. À vous de voir dans quel sens ça fonctionne le mieux pour vous. Moi, pour courir plus vite, j'ai activé dans le chargement blanc. Code de triche activé. Donc fonctionnel, les poteaux. Donc là, non seulement je peux courir et sauter. Oh, what the fuck? Oh, c'est terrible. Là là, bordel. Donc là, je vais essayer de taper le code de triche avec les balles explosives, les poteaux. En ligne. Nouvelle session. Tac, les chargements. Verdict, code de triche activé. Bing, bang, bang, bang. Il faut changer de fusil.
J'étais exclu de la session. Rockstar m'empêche de vous faire plaisir, les potos. Attendez, on va essayer de faire un truc. Essayer de faire comme tout à l'heure. On va couper l'application et revenir. Chercher une activité récente. Je pense que là je vais ça va me débugger. Enfin, ça m'étonnerait que je réapparaisse avec les codes directement, qui ne t'entend rien à rien. Donc faites-vous plaisir avec le code de triche. Qui vous faut le plus, ces poteaux? Car moi là j'en avais 3. Code de triche activé. Et après le message d'erreur. Vous voyez, il a réapparu. Donc là, ce que je vais faire, c'est ça, un spa. Attendez, on va essayer autre chose. Et non les poteaux, je pourrais pas revenir en ligne avec les codes de triche, faut que j'en fasse un anip. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner, partager en masse les poteaux. Merci, à très bientôt.